Salut tout le monde, c'est BigGaming84. On se retrouve aujourd'hui pour la review d'un modèle miniature. Et aujourd'hui, il s'agit d'un modèle assez particulier. Il s'agit d'une Audi 200 de chez Gizwell. Donc, c'est pas courant comme véhicule. Donc, une Audi 200 de chez Gizwell, made in Spain, je le rappelle. C'est un véhicule que j'ai entièrement restauré. Donc la coque a été repeinte, les vitres ont été refaites, enfin restaurées surtout. Le châssis était entièrement repeint, ça se voit pas trop, hein, mais il était repeint. Les roues ont été refaites, réparées, restaurées. Donc voilà, c'est un véhicule que j'ai entièrement refait et j'ai tenu à le partager parce que j'ai tenu à partager. Il y a à vous montrer cette marque, Gizwell. C'est une marque qui n'est pas aujourd'hui très 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 commune. On en trouve, honnêtement on en trouve, hein, de là à dire qu'on ne trouve pas du tout, c'est faux. On trouve des Gizwell. C'est des véhicules qui sont super sympas, honnêtement. Mais ça n'a pas une cote d'amour qui en vaut la chandelle. Le restauré coûte plus cher, entre guillemets, que ce que ça vaut réellement. Bon, honnêtement, le restaurer, moi, ça me coûte rien. Hein. J'ai tout le matos, j'ai tout ce qu'il faut, donc il n'y a pas de problème. Mais, entre guillemets, ça en vaut pas la peine. C'est une voiture, c'est des véhicules qui n'ont pas été copiés. Mais comment les reconnaître facilement? Ils ont la caisse en Zamac, en métal léger, quoi, en Zamac. Les roues plastiques type Majorette, Matchbox, châssis plastique, très simple. Plastique marqué Gizwell de cette manière-là. Voilà, Audi 200, Gizwell, made in Spain. Gizwell, vous voyez, c'est une petite Formule 1 en logo. C'est vraiment sympa d'avoir des modèles comme ça dans une collection quand même, histoire de dire, voilà, j'ai des trucs un petit peu atypiques. Qui sort du lot, qui n'ont pas une grosse valeur, mais c'est sympa de les avoir. Chose à savoir, une voiture comme celle-ci vaut dans un parfait état, comme celui-ci, en gros, peut-être 3-4 euros maximum. Hein. Si vous l'avez en boîte, en revanche, ça peut aller vite à 10-12 euros, voire plus selon les modèles. Mais celle-ci, voilà, on peut dire qu'en boîte, on peut en espérer 10 euros. Sinon, en l'état tel qu'elle est, 3 euros, 3,50 euros, peut-être 4 euros, vraiment maximum. Moi, personnellement, si je devais la vendre, je la mettrais à 3 euros. Dans l'état où elle est, c'est le maxi qu'on peut en tirer, je pense. Après, quand on regarde sur le marché, c'est entre 3 et 4 euros, c'est à peu près sa cote. C'est sa cote d'amour. Ça ne vaut pas plus. Donc voilà, eh bien écoutez, petite chose, il n'y a pas de numéro de série sur ce véhicule. Sachez-le, il n'y a pas de numéro de fabricant, rien du tout. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, laissez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous. Et surtout, à la prochaine tout le monde.